Today, most financial transactions in the economy are digital. It's no longer banknotes and coins exchanged from hand to hand, but numbers and databases. C'est une étape logique que cette finance se décentralise sous sa forme numérique. Les technologies type blockchain, smart contract et tout ça ont émergé et permettent d'envisager un nouveau type de service qui n'a pas besoin d'intermédiaires centraux pour opérer. Everything that we know today, like all the financial transactions of the economy, will be automated, meaning that everything will be in code, what we call self-executing code. These experts are talking about DeFi, short for decentralized finance. DeFi is an umbrella term for an ecosystem of financial applications built on blockchain technology that would remove the need for banks or trusted third parties to handle financial transactions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus d'autorité unique qui pourrait avoir une influence sur les comptes et les actions des utilisateurs. Que ces utilisateurs soient des protocoles qui représentent des dizaines de milliards de dollars ou des particuliers avec quelques centaines d'euros d'épargne. DeFi is based on the same decentralized blockchain technology as Bitcoin. If you want to learn more on how blockchain and Bitcoin work, take a look at our previous explainers on our YouTube channel. Instead of just using the blockchain for a trustless payment system, Ethereum, a new blockchain conceived of in 2013, looked at the technology and asked themselves if they could do more with it. If you think about Bitcoin, this is what we can think about as a DeFi, decentralized payment system. Now you can take it to the next level and not just do payments, you can do lending, you can do credit, you can do mortgage, you can do trading, you can do all other things in the same kind of concept. The Ethereum platform gave tools to developers to create entire programs that could be stored on the blockchain. These came to be known as smart contracts. Essentially, smart contracts are pieces of code that automatically execute actions if certain parameters are met. Any contract that you do in the real world, whether it's you taking a mortgage or you're asking for a loan, it's rule-based. So this rule-based can be coded. Ces smart contracts ne peuvent pas être modifiés. Ils resteront avec exactement le même code qui s'exécutera exactement de la même manière ad vitam aeternam. Okay, by now we know that DeFi services run on a blockchain and can replace traditional third parties using pieces of code called smart contracts. But why would we even need a decentralized financial system? Aujourd'hui, le point le plus vendeur de la finance décentralisée, c'est l'efficience. Il y a du code qui s'exécute de la manière dont il a été écrit. Et on peut avoir une certaine confiance dans le fait que lorsqu'on fait des actions, les conséquences de ces actions sont prévisibles. Du coup, moins de friction, moins d'intermédiaires, plus d'efficacité. So, no intermediaries, more efficiency. And for the experts, it also cuts down on costs. Que ce soit avec une banque ou pour acheter des actions ou des choses comme ça, vous interagissez avec un échangeur centralisé. Mais le pire, et c'est là où ça fait mal, c'est souvent vous interagissez avec une série d'intermédiaires. Et donc ça implique bien sûr un peu la mort par mille coups de couteau en termes de frais. So potentially, it's efficient, it's cheaper, and finally, DeFi is supposed to be an open, democratic system. Decentralized finance can definitely democratize society. Especially if you think about all the underserved communities, the unbanked, the underbanked. With decentralized finance, you don't need a bank. It is accessible for everyone who has internet, as long as you have internet, right? You need internet for that. Puisque ça s'exécute comme ça a été écrit, si on remplit les conditions, qui qu'on soit une mère célibataire ou quelqu'un avec un nom de famille qui ne représente pas forcément le pays dans lequel on vit ou un milliardaire américain, eh bien, on aura exactement le même accès aux mêmes produits et au même rendement. So what kind of services offered by the traditional financial system can DeFi handle? En gros, c'est toutes ces fonctions de base que vous allez pouvoir avoir, être amené à faire avec un token, qui sont concrètement donc l'échanger pour d'autres jetons, donc le swap, qui va être potentiellement l'emprunter, donc borrow comme ils disent en anglais, ou le prêter, lend, pour faire un retour. You can do anything from loans and insurance to derivatives and crowdfunding. Here, for example, is how DeFi crowdfunding could work. Let's say you want to raise funds for a charity cause. Normally, you would have to trust a third-party platform to collect the funds from the donors and give them to the charity when the goal is reached. But what if you could replace this intermediary and save on platform fees? Instead, you could simply define the parameters of this exchange and encode it in a smart contract on the blockchain. If the criteria in the smart contract is met, the money is automatically sent to the charity. If it is not met,
the funds are returned automatically to all of the people that have donated. Simple, no? Well, there is one problem. With DeFi, generally you have to use cryptocurrencies to use these financial tools, and that means dealing with the extreme price volatility of these coins. So to get around this, developers created what are known as stablecoins. On ne peut pas créer une économie sur des actifs uniquement spéculatifs. On a aussi besoin, pour créer une économie, d'actifs non spéculatifs. Ce besoin est rempli par les stablecoins, qui en fait sont des actifs qui vont répliquer la valorisation et le pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires. The value of a stablecoin is usually pegged to the US dollar. This means that you can have the privacy and security of using crypto in DeFi applications, while also keeping the stability and trust of fiat money. So if DeFi promises to democratize finance securely and efficiently, what could possibly be the catch? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que le risque zéro n'existe pas? La réponse est non. Et ça, je veux être très clair avec ceux qui nous entendent. Il y aura toujours un risque parce qu'il ne peut pas y avoir de rendement sans risque, tout simplement. The first risk is bugs in smart contracts. If the code includes an error, the error will be executed again and again. If we think about our crowdfunding example, if the funding goal isn't properly defined in the code, the money could be collected, but never distributed. Chaque jeu de smart contract avec lequel vous interagissez, ben c'est un peu un jeu de risque technique que vous prenez. Il peut y avoir une faille, une lacune à un des endroits de ce smart contract qui permet d'avoir plus ou moins de conséquences. The second big risk is hackers finding and exploiting breaches in smart contract code. Il existera toujours le risque qu'un petit malin arrive à trouver le bug et à l'exploiter avant qu'une organisation autonome puisse le corriger. Les hackers deviennent de plus en plus forts, mais de l'autre côté, les protocoles deviennent de plus en plus forts à prémunir les potentiels hacks. Et c'est devenu une norme dans l'écosystème que quand un protocole lance un nouveau produit, il y ait eu plusieurs audits de sécurité par ces firmes indépendantes. The third big risk is volatility. On a cette idée de l'ultra-volatilité du Bitcoin. Le grand public est assez au courant que parfois un Bitcoin, ça vaut 50 000 dollars, parfois ça en vaut 20 000, parfois ça en vaut 80 000. Il y a une volatilité qui est assez forte et qui va souvent freiner l'investisseur et l'épargnant à tous les niveaux. Finally, newcomers to the ecosystem can be swayed by untested DeFi projects. En termes presque probabilité, j'ai envie de dire. Leur probabilité d'être bon à trouver le petit projet qui débute, qui va être pertinent, elle est assez faible. So, if we can do most of the financial transactions we do now with smart contracts and DeFi, is this really going to be the end of banks and financial institutions as we know it? The question is, to what extent will the rest of the world really want to be on decentralized finance? Because ultimately, a key motto of the decentralized finance world is, you know, you're going to be your own bank. But being your own bank comes with a lot of downsides, puts all the responsibility on yourself. En réalité, c'est pas impossible qu'une bonne partie de l'adoption en DeFi se fasse en fait par concrètement le fameux fintech in the front, DeFi in the back. Vous utilisez de la DeFi, mais vous l'utilisez via Revolut qui gère vos fonds pour vous. Donc voilà, c'est faire la DeFi sans en faire, mais ça permet aussi quand même d'avoir accès à cette DeFi d'une certaine manière. Je pense que les intermédiaires continueront d'exister, mais devront prouver leur plus-value, puisqu'ils ne seront plus la solution par défaut et, entre guillemets, de monopole.